On a décidé de partir, de nous diriger vers Calakmul en ayant en tête de prendre un bus de jour. Mais non, il n'y en avait pas, c'est seulement que la nuit. Fait qu'on a passé la journée au parc. Et puis ensuite, on a pris le bus de nuit pour nous rendre à la baie frontalière, si on peut dire, Arica. Et puis là, on a traversé au Pérou jusqu'à Tacna. Et ensuite, on a pris un autre bus jusqu'à Arequipa. Je peux vous dire, c'était une très longue journée. On est juste en face de la cathédrale. Arequipa est une ville très agréable à marcher. Plusieurs édifices coloniaux et puis plusieurs, et également plusieurs petites rues de traverse là où c'est amusant de découvrir une architecture différente des autres villes qu'on avait vues. Et puis ces maisons superposées une par-dessus l'autre. Vraiment, vraiment intéressant à se promener. Aussi, partout, ça avait des comptoirs à crème glacée pour ceux qui aiment, là. Et c'est agréable. C'est une ville très agréable. Il y a beaucoup de choses à visiter, dont notamment les monastères. On a beaucoup apprécié ces visites. C'est des ensembles, on pourrait dire, de prestige pour la ville. ¿Qué le dicen tabileros? ¿Por qué permanecen mirando al cielo? El mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto partir. T'as trouvé une belle place? Qui va te filmer? Non, c'est moi qui va te filmer. Le Sancho, Roger, c'est pas attends, pose pas ta caméra. Je vais te filmer. Roger, encore, c'est quoi le chat? Je sais pas quoi. Chasseul, regarde-toi. Mon cher Roger, c'est quoi le chasseul? En plus, t'es rouge comme une. C'est un sac, un satchel, c'est la toupie qui disait ça, là. C'est une ben petite. Oui, mais vas-y. C'est comme une petite valise, un sac mou, si tu veux. The Chichilin, the volcano? Misty. Misty.